Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir la mise à jour de ce mercredi. Et cette mise à jour aujourd'hui est spéciale parce que c'est la spéciale Halloween. Donc j'ai vu qu'il y avait dans les nouvelles beaucoup de choses. Et donc il y a un truc assez chelou. Et on va tout de suite voir ce que c'est. Alors. Attrape une pomme dans le seau sans utiliser tes mains. La plupart du temps tu attraperas une délicieuse pomme. Mais ce n'est pas garanti que tu en obtiendras. Ok. Est-ce que j'ai eu une pomme? Ouais, bon bah j'ai eu une pomme. Ok. Alors apparemment il y a des magasins spéciaux. Alors les décorations sont juste trop belles. Hein. Ok. Bon, alors désolé mais je bug beaucoup parce que Bandicam peut bugger et puis parce que quand je suis dans les grands endroits comme tu m'as dit, je bug. Donc je vois beaucoup de monde avec des déguisements, donc je me demande bien s'il n'y a pas un marché. Oui bah voilà. Alors, ouh, c'est beau tout ça. Donc, attendez. Alors. Ok. C'est pas cher. Ah, il y a le costume que j'avais vu. Ah ouais, d'accord. Par contre, j'aurais... Oh, t'es trop belle. Enfin, t'es trop belle, Caramel. Donc, you... Alors, voilà. Non, j'ai pas dit ça, moi. Ok. C'est tout ce qu'il y a? Hein. Donc, je voudrais bien un déguisement. Ouais. Attendez. Est-ce que j'ai encore de la place dans mon... Ouais, j'ai plus de place. Bah, et ça tombe là. Alors, ça, c'est la robe de la fée clochette bidule bidule. Moi, je propose qu'on prenne ça. Non. Ouais, alors, il y a... Ah, ben voilà le bordel. Alors, voyons voir si ça... Alors, ouh, j'ai mis un squelette moi. Waouh, ouais, ça lui va bien. C'est stylé. Ah, j'ai beaucoup d'argent. J'achèterai plus tard, hors caméra. Alors, les masques, c'est ça qui m'intéresse moi. Oula, il y a des masques assez étranges. Alors, je sais qu'il y a celui de Dorina que je veux à tout prix, donc je vais lui prendre. Je suis lié. Bon, bah, le squelette, pas de doute, il va bien avec ma tenue. La citrouille. Pas de doute, je la prends. Le coq, je le prends. Il y a vraiment des masques hyper, hyper chelous. Oh, le cheval. Le cheval, je crois pas, je vais prendre parce que... Du coup... Le masque de squelette est trop effrayant. Par contre, je veux les bandes. Ah, mais elles sont chères. Elles sont chères. Ouais, mais elles sont chères. Pourquoi j'ai oublié de l'enlever ces bandes? Ok, d'accord. Sinon, je me mets sur mon autre cheval. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on en a fini pour tout ça. Donc, me revoilà les gens. Donc, j'ai changé de cheval. Parce que moi, je voulais pas enlever les bandes à mon fjord. Parce que moi, les fjords sans bandes, j'aime pas trop. Donc, du coup, j'ai pris, bah, du moins.
Du coup, je lui ai pris les équipements violets parce que je trouvais qu'ils étaient trop trop beaux. Et bah voilà, je suis tout en squelette et je trouve ça vraiment trop trop swag. Donc, je regarde sur ma carte et je vois qu'à côté du château, il y a Eve. Donc, apparemment, ça serait la sorcière qui ferait un jeu. Et donc, j'avais déjà vu des vidéos, parce que je m'étais déjà renseignée un peu auparavant, avant Halloween. Et du coup, j'ai regardé les vidéos et j'ai pu remarquer qu'il y avait, on va dire, une chasse aux citrouilles dans le château, enfin dans les sous-sols du château. J'ai trouvé ça assez galère, d'après les vidéos que j'ai vues. Ah, un fantôme! Oh, what? J'arrive pas à lui parler. Non, je voulais lui parler parce que j'ai vu dans les nouvelles qu'il y avait la chasse aux fantômes. Et qu'il y a des... quand tu parlais à des fantômes, c'est un cadeau. Je crois qu'en fait, il faut aller voir Madame Morse, un truc comme ça. Qui te permettra de faire cette activité. Oh non, je suis dégoûtée, parce que moi, je voulais... Apparemment, on peut avoir des trucs bien. Oui, je sais, c'est mon premier Halloween, et pourtant, je suis très bien renseignée. Alors, il me semble que... Ça devrait être là, non? Je suis pas au bon endroit. Voilà, c'est ici. Je viens de me faire, je l'avoue. Donc, voilà. Donc, c'est Eve, la sorcière... Moi, je lis pas. As-tu ce qu'il faut? D'accord. Descends ton cheval. Très bien, je descends. Elle est stylée, la sorcière. Collecte toutes les citrouilles dans la cave et... Alors oui, je connais déjà le but du jeu, hein. Pas besoin de me le réexpliquer. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut éviter les fantômes et ramasser toutes les citrouilles. Et là, en fait, il y a une caméra pour voir du dessus. Il y a juste la musique qui est trop terrifiante. Fantôme ! Je me sentais mal. Bon, je pense que je vais y aller parce que le bandit game fait tout bugger, donc je retrouve quand j'aurai réussi. J'ai enfin terminé. Alors mon score. Donc je vois qu'il y en a, ils font ça en 3 minutes. Moi je vois que je fais ça en 7 minutes. C'est comment dire, nul. On peut le dire, on peut l'avouer, non. Ouais, mais je suis nul, moi. Ouais, mais c'est mon premier Halloween, il y en a, c'est leur deuxième. Faut comprendre. Non, bon, ok, je ferme ma gueule. Ok, t'as plus de mission à faire pour moi? Non? Ok. Quels sont les autres points qui ne sont pas sur ma carte? Alors, celui-là ne doit pas être sur ma carte normalement. Celui-là, il est sur ma carte. Celui-là, il est sur ma carte normalement. Mourlande. Donc ça, Mourlande, Madame Trucmuche, là, c'est elle qu'il faut aller voir pour pouvoir faire la chasse aux fantômes. Donc la chasse aux fantômes, je sais pas si je vous la montre ou je vous la mets en accéléré. On verra bien. Donc je suis chez Madame Trucmuche. Tout le monde est dessus, à ce que je vois. Bah moi aussi, je me mets dessus, hein. Blablabla, oui. T'as rien d'autre intéressant à me dire? Trouve le fantôme qui se trouve entre la maison de Bidule Truc et... Ouais. Il est où, ce fantôme? Il est là. Il est là, le bébé. Tu me parles? Tu me parles? C'est bien. Putain, elle va se faire bugger! Moi j'ai une mauvaise connexion donc vous arrêtez. Retourne dans. Ok. Ah, oh, c'est trop stylé la musique! C'est juste trop stylé, mais ça fait juste trop fou. Oh là là. C'est dingue. Retourne voir Madame Vieille Bic. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh, donne-nous à tout bien, parce que je te préviens, je te défonce. Hein. Alors. Oui, donc tu me donnes un chapeau. D'accord, donc ce chapeau. Attends, pardon. C'est ça ton chapeau? C'est pas un peu le chapeau de... Non, parce que les invitations à l'amitié, je les comprends pas. C'est quoi ce chapeau? Parce qu'il ressemble vraiment beaucoup à celui de... De la magicienne là. Non mais allô, mais non, mais ça c'est pas, vas-y. Je suis dégoûtée.
Bon, bah, moi, je vais aller partir à la chasse aux fantômes et je vous retrouve quand j'en ai trouvé. Donc, comme ça, si vous ne trouvez pas de fantômes, bah, vous pouvez toujours. Hey, j'en ai trouvé un! J'ai eu un masque. Il est juste trop choupi, kawaii, le fantôme! Donc, j'ai eu quoi comme masque? Il est trop beau! Il est trop beau, ce masque! Oh putain, il est trop beau! Oh là là, eh, je suis gentille sur ce masque. Vraiment, je veux le masque de Dorina parce que sinon ça me dégoûte. Bon, bref, je retrouve tout de suite ben, quand j'en ai retrouvé un. Hein. Je sais, parce que j'ai déjà vu des vidéos, donc je sais qu'il y en a plus. Regardez-moi ça, les énormes citrouilles qu'il y a sur la disco. Mais c'est juste énorme. Moi, je veux une grosse bouboule comme ça. Hein. Ah, juste, attendez. Ah ouais, deux secondes. J'arrive. Ne vous énervez pas. Ah, ah merde. Lui, j'hésite à le prendre. Parce que moi, je veux Monsieur Crumble, parce que Dorina est là. Monsieur Crumble, et je le veux, qui est trop stylé. Ça... Est-ce que je le veux, tout simplement. Je crois qu'il y a un fantôme là-haut. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a un fantôme. Est-ce que je regarde une vidéo? Oui, d'accord, je triche. Mais je veux tous les cadeaux, donc du coup, je regarde où est-ce que sont tous les fantômes. Et du coup, dans la vidéo d'une fille, ils disent qu'il y a un fantôme... la tour de Fort Pinta, mais vu que Fort Pinta a été rénové, je ne crains fort qu'il soit là. Peut-être qu'il est sur le balcon. Hé hé, bah j'ai trouvé le petit coco, il était bien caché derrière les fifilles, hein. Bref, le fantôme semble... Alors... Adieu. Mais non, mais reste avec moi. Non, mais c'est abusé. Le cadeau tout pourri. Mais... Je veux pas son cadeau, hein. Jette. Je crois qu'il faudrait que je fasse de la place. Et bim, j'ai trouvé un autre fantôme. Et donc, je te reparle, petit fantôme. Des chaussures, donc, je me demande à quoi elles sont. Si elles sont moches, bah, direction vendeur. C'est bien parce qu'en même temps, des fantômes, je me fais l'argent parce que j'ai gaspillé beaucoup de mes argent. Alors. Sont pas terribles les chaussures, j'ai envie de dire. Ouais, elles sont pas terribles. Enfin, elles vont pas bien avec ma tenue, mais après on verra bien. Je vous retrouve tout de suite pour un prochain fantôme. Ah, voilà, donc dans la case, il y a un fantôme. Donc dans la case du vignoble. Alors. Un pantalon, donc. Qu'est-ce que ça va être? Après, c'est aussi un bon moyen d'avoir les déguisements que vous avez, pas, enfin, que vous pouvez pas acheter. Que vous voulez. Ah, par contre, là, celui-là, on, en fait, moi j'appelle ça. Merde. On dirait un pantalon, mais en fait, ça fait plus. On va dire. Collant. Bah, c'est stylé. C'est stylé, ça peut aller avec une robe. Ouais, c'est plutôt stylé. Bim, nouveau fantôme. Je me disais bien que dans un endroit aussi lugubre, il peut y avoir un fantôme. Ouais, donc tu me donnes des hamburgers et des frites, là. D'accord. Ben, on va garder comme ça au cas où, si, quand je ferai un truc avec le club. Et donc, c'est reparti. Donc, un nouveau fantôme. Donc, auprès du premier sur la tombe de Trucbuche, là, de Trucbuche et Trucbuche. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un homme et une femme. Enfin, bref, sur une tombe que vous reconnaîtrez. Un donut. Ok. D'accord. Non, mais sérieux, ça sert à rien de donner des trucs aussi nazes. Bon bah, je vous retrouve pour aussi au passage, il y a des maquillages, pas vraiment très très chers. Il y a des maquillages donc dans tous les coiffeurs. Donc moi j'hésitais à me prendre un maquillage. Donc j'hésite vraiment à me prendre un maquillage parce que... C'est quand même 25 Star Coins, enfin... Je sais pas vraiment si je prends un maquillage. Surtout que je vais porter que des masques, donc on verra ça plus tard. Voilà. Ok, donc... Donc c'est tout près du mont épouvantail, enfin c'est dans la ruine, dans la sorte de petite maison. Ok, donc en fait là on voit pas du tout le fantôme disparaître, mais bon ça, on voit juste un mur. C'est magnifique les murs. On a mis un pantalon. Oh il est beau. Ouais il est stylé. Trop stylé, on dirait des collants. Donc, voilà la note, donc à l'entrée de la forêt de Golden.
manqué une pizza, ben, au moins si j'ai faim, je vais pas manger. Bref. Nouveau fantôme trouvé. Donc alors, un chapeau trop cool, donc voilà à quoi il ressemble. J'espère qu'il est beau. Alors, il est où? Ok, donc c'est un chapeau noir, ouais, il est assez classe. En fait, il va bien avec les collants qu'on a eu. Ok, bah ici. Oh putain, regardez-moi ça. C'est juste, alors attends, je sais robe ou bob, enfin bref, je sais pas, mais attendez. C'est robe. Robe, il est juste sur mon dos, mais en mode, ouais, ok, donc tu vois, moi, je monte à cheval comme ça, tu vois. Oh, comment il monte à cheval, mais... Et là, avec sa main, là, comme ça, là. Avec sa main, là. Oh, putain, il est... Donc là, je suis en train de faire une mission. Putain. Donc là, je suis en train de faire une mission, donc j'en ai fini pour les fantômes, enfin, pas totalement, mais j'en suis pour l'instant. Donc voilà.